s'il s'était intéressé pendant ce temps où je criais au port. On ne peut pas gérer dans ce désordre. Qui m'a écouté en ce moment? Ceux-là aujourd'hui, PCD, PCB, qui parlent aujourd'hui? Où est-ce qu'ils étaient? Moi, je pleurais seul dans le désert. Personne ne me venait au secours. Aujourd'hui, on commet un mandataire, c'est en ce moment qu'on se met à jaser sous tous les toits. Il faut que les gens soient conséquents. Il faut être objectif. Aujourd'hui, rien ne me surprend si le gouvernement actuel a fait l'option d'un mandataire pour la gestion du port. Je le sentais venir, ça fait longtemps. Jean Loco, ex-secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, prit service en février 1985 et fut admis à la retraite en janvier 2015. Après 30 années d'exercice et 16 ans de vie syndicale, l'homme juge que la décision du gouvernement, celle de confier le port autonome de Cotonou à un mandataire, serait le grand remède qu'il faut pour les grands maux dont souffre le poumon économique du Bénin. Tout le monde était devenu affairiste. Personne ne pense au développement de l'entreprise. C'est des affaires personnelles et on crée des situations impossibles dans l'entreprise. À des fins personnelles. C'est vous dire que cette situation planait, ça fait longtemps. Aujourd'hui, tout le monde crie, mandataire, mandataire. La dernière fois, quand je quittais le port, en 2015, janvier 2015, j'avais prévenu les travailleurs. Si vous continuez de vous comporter comme ça dans l'entreprise, vous constaterez les dégâts. Je dis, faites attention. Et en plus de ça, en matière de compétences, je peux vous jurer, le port a une structure multisectorielle qui a besoin de plusieurs domaines de compétences. À cela s'ajoute. Yayi Boni a fait un mandat de 10 ans. En 10 ans, le port autonome a connu 12 directeurs généraux. Je dis, mais même si vous envoyez quelqu'un de pas compétent, donnez-lui le temps d'apprendre le métier et de se faire valoir. 12 DG en 10 ans, faites la moyenne relative du séjour de chaque DG. C'est déplorable. Ce mandat de Yayi Boni a vraiment influé sur le développement du port et la construction des compétences pour la gestion du port. Ça, je le dis en toute responsabilité. Le port a été inauguré en 1965. De 1965 jusqu'à l'avènement de Kérékou, Kérékou 1, Kérékou 2, les DG passaient du temps à la tête du port, encore du port autonome, encore pendant que Soglé est arrivé, le DG qui est resté au port a fait 7 ans. Il a fait les 5 mandats de Soglo et 2 ans de Kérékou 2 avant de quitter. Et j'ai constaté qu'au Bénin, quand vous êtes compétent, vous devenez une cible. Les gens n'aiment pas le Béninois, bon travailleur, consciencieux et efficace. J'étais chargé du matériel flottant au port, les remorqueurs et les pilotiers. Quand j'ai pris service en février 1985 au port, je me suis jeté un défi. Je me suis dit, plus de blancs pour venir me réparer les engins flottants au port. Parce qu'avant moi, c'était une société française qui venait réparer les moteurs. J'ai fait ça pendant 16 ans. Un jour, un DG s'est levé. Il a trouvé que je gênais les intérêts de son supérieur et il m'a relevé de ce poste. Selon Jean Loco, le port fonctionne au détriment du trésor public et jouissait de la subvention de l'État pour faire face à la maintenance des installations et plusieurs tentatives de privatisation du port ont été déjouées. J'ai connu deux moments éprouvants
au port autonome de Cotonou. Le premier, on avait dénommé ça le dossier Sogopi. Un prestataire de service dénommé Sogopi, Société de gestion des opérations informatiques du port, et qui était chargé de la délivrance des factures aux clients du port. Et cette société percevait, dans le cadre de ses prestations, 8% du chiffre d'affaires, pas du bénéfice. Cela a mené l'entreprise à un moment donné à ne plus maîtriser les résultats d'exercice. J'ai dû déclencher un mouvement de grève pour faire arrêter ce prestataire qui nuitamment a été conduit à Lomé. C'est une Colombienne, une Franco-Colombienne qui a dû s'enfuir par Lomé pour rejoindre son pays. Première situation. Deuxième situation, toujours dans la même période, vers 2006, on a connu une première tentative de privatisation du port autonome de Cotonou dans le cadre de la construction d'un nouveau port en eau profonde à Sémin. Et c'était la société Bouygues qui était retenue pour cette opération. Cette société, ayant fait ses calculs de rentabilité, s'est rendu compte que s'il ne se rattachait pas l'ancien port, qui est le port de Cotonou, au nouveau port, qui ne pouvait pas rentabiliser son investissement. Il a donc convaincu les autorités en charge du port pour faire aboutir cette opération. Donc la privatisation du port, carrément. Je me suis levé une deuxième fois pour dire jamais, on ne va jamais privatiser le port de Cotonou. J'ai réussi à faire entendre raison au gouvernement, et ça je remercie M. Amoussou Bruno à l'époque, qui a été très très attentif à nos doléances et qui nous a trouvé raison. La nation, d'accord, j'aurais souhaité que ce soit un Béninois qui gère le port autonome, mais qui a eu cette opportunité de se former réellement dans cette matière. Qui, n'oubliez pas que Talon avait un magasin au port à Tral, et donc connaissait très bien le port. L'intrus connaît la maison. Le président Patrice Talon sait comment les choses se passent. Il a donc mandaté le Belge Christian de Blok pour prendre la tête du port autonome de Cotonou. Le contrat a été officialisé le mercredi 4 avril 2018 sur une durée de 3 ans renouvelable sur la base de l'atteinte des indicateurs de performance. Au sujet de cette nouvelle réforme, les opinions restent divergentes au sein de la population, bon et malgré les travailleurs de l'entreprise. Nous, travailleurs, malgré la psychose, resterons engagés à vos côtés.